Caroline Costa, The Voice, en deuil et dévastée par la mort de cet être cher, je n'arrête pas de pleurer. La chanteuse a partagé un moment très émouvant de sa vie. En effet, elle a perdu sa chienne et redoute de l'annoncer à sa fille. Sur son compte Instagram, ce mardi 19 juillet, Caroline Costa a donné de ses nouvelles. Hélas, elle n'était pas bonne. En effet, la candidate arrivée en finale de The Voice vient de perdre un être cher à son cœur. Caroline Costa, The Voice, un parcours hors du commun pour la petite fille devenue grande. C'est en 2008 que le public découvre la magnifique voix de Caroline Costa. En effet, la petite fille a participé à la saison 3 de La France a un incroyable talent. Elle va décrocher la seconde place. Ensuite, très vite, elle enchaîne les interviews et les apparitions à la télévision. Elle se fait repérer par Matt Pokora qui l'intègre à la comédie musicale Robin des Bois. Après cette incroyable expérience, elle fera une pause de scène. Mais, Caroline Costa n'a pas chômé. Entre-temps, elle est devenue maman. Elle vient de faire son comeback dans la dernière saison de The Voice. Comme elle n'a rien perdu de son talent, elle se hisse jusqu'en finale, mais ne gagne pas le concours de chant. Mais, elle est bien entourée et peut compter sur son chéri et sa fille pour lui remonter le moral. Ce mardi 19 juillet, Caroline Costa prend la... Nous ne sommes même pas là pour elle. Je n'arrête pas de pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était la première fois qu'elle disparaissait. C'était une chienne hors du commun. Elle nous a apporté tellement, elle était si spéciale. Il a fallu d'une fois, d'une voiture pour nous enlever celle qu'on aimait tant pour toujours. C'était la meilleure amie de notre fille. La nôtre. Dit Caroline Costa avec regret et tristesse. La chanteuse se sent défaite et vide. Elle doit l'annoncer à sa fillette. Caroline Costa, The Voice. Dès que Caroline Costa a su pour l'accident de sa chienne, elle a tout de suite pensé à fille. En effet, comment va-t-elle lui annoncer? Nous n'avons pas le courage d'annoncer à Thalia cette si triste nouvelle. Nous ne savons pas quel mot adopter. On ne veut pas lui mentir non plus. On est perdu, avoue-t-elle, le cœur en miettes. Cet animal de compagnie était un membre de leur petite famille. Un vétérinaire est venu la récupérer du bord de la route pour lui offrir un dernier voyage. Nous la garderons près de nous. C'était une chienne tellement spéciale. Si aimante, protectrice et intelligence. Nous n'avions jamais vu de chien comme elle auparavant. On leur souhaite bon courage.